Monsieur de Roussan m'a sollicité. J'ai du coup été enchantée du projet parce que ça faisait un petit moment que je voulais faire quelque chose avec les élèves qui puissent voir ce que c'est que justement l'art en dehors des murs du collège et en dehors du contexte de Nantua. Faire intervenir un artiste auprès de mes élèves, c'était quelque chose qui me tentait depuis un petit moment. Qu'est-ce qui te plaît ici? Bah déjà ça me plaît car plus tard on pourra expliquer ce qui s'est passé aux plus jeunes et ce qu'on a fait aussi. Dans le collège, la joie de vivre, la joie d'être ensemble, de partager, c'est des moments agréables dans le collège. Dans les différents niveaux de classe. Ben, les gens, même dans les classes, ils se parlent pas beaucoup, ils se parlent même pas du tout, ils se détestent. Alors quand ils viennent ici, ben, ils se parlent. Avant, je connaissais pas ces deux personnes. Et maintenant, je les aime bien. Fatouyo, si dia dialano. Fatou, fefe, fatou, fatou, kelemendio. Fatouyo, si dia dialano. Fatou, fefe, fatou. Boutoumbele, 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 o mamisea, o mamikas, boutoumbele, o Je suis en train de peindre en rouge les zones qui sont dans le tableau. Alors il sert à quoi ce panneau qu'on est en train de peindre? Ça serait à mettre en fond, ça sera le fond de lorsqu'on va interviewer les participants de l'activité peinture. Oh, t'aimes bien peindre? Oui, ça détend. J'ai beaucoup aimé parce qu'on travaille en groupe, on travaille tous ensemble, on travaille tous sur une même peinture, sur quelque chose de très beau. Moi j'ai beaucoup aimé. Tu es venu plusieurs fois, explique-moi, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet atelier? Je sais pas, c'est parce que j'ai jamais fait d'art sur un grand format et je trouvais l'idée bien. Bah, j'aime beaucoup la peinture et les couleurs, les mélanges de couleurs qu'on a fait. Et puis le fait de peindre sur des grands formats, ça, c'était assez impressionnant. J'avais jamais peint sur des si grands formats et puis je préfère faire ça qu'aller en permanence en fait. C'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup aimé les projections, j'ai trouvé ça magique un peu. Ça partait dans tous les sens, toutes les couleurs, ça se mélangeait avec les peintures déjà mises sur les grandes feuilles. Laurent, t'as bien aimé la caméra? Bah en fait j'ai trop adoré, je voulais. Bah en fait, je savais pas si les autres filmaient tout. Et moi, je voulais tout filmer ce qu'ils faisaient. Ça donne de la couleur à la chapelle et par rapport à avant, que c'était tout vide. T'aimes bien cette idée de faire des ateliers en plus de la classe?
Bah oui, je trouve ça bien, puis que ça peut, enfin, ça peut aider pour plus tard, si jamais pour ce qu'on veut faire plus tard. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse notre fresque de la chapelle, parce que je pensais qu'on allait tout rater, et puis parce qu'on n'était pas des artistes. Moi, je trouve que ça fait un peu bizarre, contre, parce que d'habitude, c'était plutôt sombre. Là, ça va être plus vivant, il y aura... Ouais, ce sera plus illuminé. J'ai aimé lire des textes devant la caméra, ça m'a... j'ai plus été timide. Quand je regarde un peu, c'est... ça me fait imaginer beaucoup de choses. Et... comment dire... Et j'aime bien aussi comment ça se passe. Même si on ne fait pas de peinture, on peut toujours faire quelque chose, on peut filmer, on peut écrire ce qu'on en pense des peintures, voilà. Amusement avant les cours, gribouillis, peau de peinture, libre, peint dans le même sens, blouse tachée, océan, rien. Caméra, giclure, rouge pur, rouge très très rouge, bleu cobalt. Incertitude, tache de lait, peint de n'importe quoi, silence, calme, récré, l'art c'est bizarre. Jean sale, apprentissage, rencontre, un soleil de la vie, jaune comme le ciel, caméraman, le monde inversé, presque, violet. J'aime l'art, je déteste l'art. Koya, je viens de vieux 19, je suis pas un déglingo, je vais au collège Xavier Bichat pour peindre la chapelle. Koya, koya, je suis pas un déglingo, je m'appelle Gélo du ghetto, je suis avec mon bibosteur. Popo du ghetto. D'une plaquette, et en fait, faut prendre ça et faut coller et faut le cadrer dans la feuille pour le coller et faut bien appliquer pour que ça soit plat pour pas que ça se déchaîne. Ça sert à quoi ça? Pourquoi on fait ça? Et ça on sert à parce qu'on doit donner des invitations pour les parents et donc on doit faire ça pour qu'ils viennent nous regarder ce qu'on a travaillé depuis un mois.
Moi, mon ambition, c'est que l'année prochaine, on fasse des travaux en rapport avec, avec ce qui a été créé cette année. Donc, les sixièmes seront passés en cinquième, et du coup, on va faire sans doute une continuité sur, sur encore trois ans avec eux pour faire un rappel chaque année sur ce qu'ils ont déjà exploité en sixième. Mais oui, s'emparer du projet pour, pédagogiquement parlant, les faire un lien tout au long de leur scolarité. C'est mon ambition. Des travailleurs. Ouais. Après avoir joué avec la peinture. La chapelle est déjà un lieu historique qui avait une âme, on va dire, mais là on lui a donné une profondeur et une vie actuelle. Et il me semble que c'est une manière de faire rentrer à l'intérieur du collège un regard sensible sur le monde, une ouverture au monde par la pratique et par le cœur créatif. Et quelque chose qui va rester, qui va les marquer, dont ils se souviendront tout le temps, et qui va leur permettre de comprendre comment l'art peut transcender la vie quotidienne.